Et bonsoir, bonsoir, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, nous sommes ici pour la suite du Blasphémateur. Blasphémous, nous en sommes à 11h12 de jeu, nous avons terminé le jeu visiblement à 79%. Nous sommes là où se meurent les oliviers et aujourd'hui on va essayer de faire la fin. La dernière fois on avait bien tourné en rond comme des cons, et donc là on va continuer, parce qu'on a plein d'objets qu'on n'a pas encore trouvés. Il a essayé de se rappeler le gameplay, tandis que le chat passe devant l'écran parce qu'il s'est dit, tiens, et si je dérangeais? Du coup, pof pof. Va falloir se remettre les commandes en tête. Hop, hop. Alors on avait toujours ces espèces de racines qu'on n'arrivait pas à suivre. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eux. Les agaçants, petit monsieur. Ça va peut-être pouvoir faire la montée tranquille. Si j'oublie de sauter, non. Tu es sympathique avec tes super héros landing, mais tu nous ralentis pas mal, brave monsieur. Alors, hop là. Jusqu'ici, on a bon. On en est où? On en est qu'on en est loin. On va aller à gauche et puis on va essayer de remonter. Il me semble qu'il y avait un ascenseur qu'on avait dû activer fort à propos. Déjà, on a un point de sauvegarde, ce qu'on va faire. Là, il devait y avoir un magasin, je crois. Absolument, on avait déjà pillé le stock de la vieille. Ok, alors là, il y a des ascenseurs. Il y a deux ascenseurs. On va dire qu'ils mènent au même endroit. Bon, du coup, on va explorer un petit peu le coin. On va peut-être trouver un truc de quoi débloquer une quête ou je ne sais quoi. Ouais, le slide, il fait toujours le taf. Heureusement. Les sires s'humilient devant deux silhouettes sacrées de leur crypte. Quel secret peuvent-elles garder? Leurs yeux attendent le sacrifice, attendent la douleur, attendent le sang. Très bien, très bien, très bien. Je vais sauvegarder ici parce que je me connais. Je suis capable de mourir 5-6 fois en route. Puis on va aller. Si on repasse par la droite, on va pouvoir reprendre à la gauche. Là, il me semble que c'était globalement où on allait shooter le boss. Chaud cacao. Bon, toi t'es bien brave, mais tu n'es pas gênant. Ok. T'avais pas vu le petit saut de lave? Ok, au-dessus. Non. Après, tout en haut, on avait trouvé un truc. J'ai obtenu gobelet doré empli d'huile brûlante. Très bien. Pourquoi pas. Un gobelet orné d'or portant cette inscription. Seul l'or peut contenir l'huile du rachat.
Une jeune villageoise appelée Auréa avait un visage si beau et si pieux, au bien, on l'a déjà vu. Est-ce que ça a un rapport avec José l'Olivier dehors, qui nous avait lâché, il me semble, le gobelet? Car oui, maintenant son prénom est José l'Olivier, sachez-le. On va redescendre par où on est venu, c'était pas mal. Si je reprends à gauche, c'est une mauvaise idée. Hop. Toujours profiter de la musique, c'est déjà ça. Et certaines quêtes qui sont un petit peu longuettes, hein. On va reprendre l'ascenseur. J'espère au moins que ça me rapportera un truc bien. C'est presque un passage efficace. Il y a un petit chérubin en bas, mais je sais pas à quoi ça sert. Enfin, de tous les sauver. Hop. Il n'y a pas vraiment de mec qui donne des indices sur les objets qu'on a. On a encore quelques-uns, mais je sais pas trop quoi en faire. Coucou, j'ai pas fait exprès de tomber dessus. Dommage à... Je fais des dégâts de chute aux gens autour de moi, je sais pas. C'est peut-être un de mes talismans. Un truc. Gobelet doré vide. Encore? Il se dit, je vais pas faire 12 allers-retours, c'est tout de ma gueule. C'est pas la fête, hein. Y'a qu'un vampire que je veux bien faire le coursier. On va retourner à Albero, je pense. Voir si on peut se débloquer des trucs. On va jouer à la bonne humeur. Efficace. Pas forcément volontaire, mais efficace. Décidément, c'est d'une efficacité pas agréable. Vers le bas ou vers le haut, les deux ça marche. Je suppose qu'il y a un des passages qui est plus chiant que l'autre. Oui, vers le haut c'est plus chiant. Là c'était le raccourci, c'est vrai. Il y avait longtemps! Il y avait longtemps! Streamlabs a changé son interface, c'est dégueulasse. 82e mort. Celle-ci était bien ridicule. Il n'y a pas un téléporteur. Ça manque de téléporteurs quand même. L'avantage des Castlevania, c'est que c'est bien sympa, il y a des téléporteurs un peu partout, mais alors là, faut faire les allers-retours à la main, c'est.
ultra chiant. L'objectif est de finir le jeu en moins de 100 morts. Sachant qu'on en est déjà à 82. Il y a de bonnes chances qu'on échoue. Je pense qu'en termes de maniabilité, les concepteurs auraient quand même pu s'inspirer un petit peu de Dead Cells avec sa précision assez agréable au niveau des contrôles. Qui en fait un jeu de plateforme plutôt sympathique à manier et qui coule tout seul. C'est pas trop ce qui est la marque de ce jeu. Ouais, donc très bien, tu sers à rien. Ouah, le gobelet de machin mes trucs, est-ce que tu peux. Est-ce qu'il peut te servir à quelque chose? Bring me anything that... Non. 5 de véritable animation, ouais, on s'en fout. F de difformité. Très bien. C'est quoi F de difformité, il me faut un nid ou un truc comme ça. Plus les lieux importants sont pas marqués donc c'est un peu chiant. Citerne, citerne. On avait une citerne à laquelle on pouvait pas accéder parce que je pouvais pas sauter quand j'étais dans le haut. Il y avait l'ascenseur là, on n'a pas été voir en haut si on pouvait accéder plus haut. On va essayer de se prendre le téléporteur pour voir plus haut. Est-ce qu'il y avait un point de sauvegarde pas loin? Oui. Est-ce qu'il y avait possibilité de mourir de façon stupide? Aussi. Bien oui, des plateformes. On adore les plateformes. On va essayer de rejoindre le gros ascenseur avec les trois têtes. Il me semble pas qu'on ait essayé d'aller plus haut. On va pas sauter, je me connais. Si je tombe, il va dire ni 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 vous êtes mort. Non, je suis pas shitty du tout. Donc là, non. De l'autre côté. Je veux aller vers le haut. I want to go to the. Est-ce qu'il y a encore un étage? Oui! Et ben voilà, on avance. Ça semble être le dernier étage. Il y a un monsieur mort. Bonsoir. En rêve, je l'ai entendu me parler. Bien que ses paroles n'eussent aucun son. En rêve, je le vois me regarder. Bien que ses yeux fussent faits d'argent. T'as encore pris de la drogue.
décor derrière est assez joli. One in sleeplessness. Okay. Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints. Against the... We have been entrusted with putting an end to your mission. Okay. I, Chrysanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you with the blessing of our miracle of the greatest pain. Je montre mes parties aux deux attendantes. And thus shall your name be erased under the heavens. Très bien. Ah. Ok. Ok, donc tu me fais des attaques un petit peu en mode ninja. Une espèce d'attaque de zone aussi, d'accord, elle fait une double attaque. Et ça, ça pique. On se parle du tout. Oh. Aïe, t'as une super allonge. Et tu fais super mal. 83ème mort. Évidemment, ils ont pas mis un point de sauvegarde avant. Je crois que j'ai bougé tout mon setup. Non, ça va. My bad. J'ai même pas besoin de le rappeler. C'est magnifique. Alors, donc il y a moyen de la contrer. Quand elle fait cette espèce de dive, on va la éviter. Elle fait une double attaque. On va essayer d'apprendre son pattern, mais d'abord on va changer notre équipement. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Alors, renforce les défenses. Réduit le temps de rechargement de l'esquive, ça va servir. Ça, on s'en fout. Ça aussi. Augmente de défense, c'est très bien. Vitalité, c'est cool. Ferveur, on s'en tape. Ouais, non. L'arme d'expiation, on s'en fout. Peuvent protéger contre les toxines, on s'en fout. Attaque de foudre, elle n'en avait pas visiblement. Attaque magique, mais. Toxique. Attaque magique, mais. Statut du confesseur, porte trop pas total et... Une pierre entièrement souillée qui a absorbé les péchés de son porteur jusqu'à s'en remplir. Contient une tempête de culpabilité et gronde des échos d'erreurs passées. Statuette des confesseurs porte autrefois de telles perles pour guérir la culpabilité. J'ai jamais utilisé ça. Moi, t'as distance d'esquive, mais. Là, on s'en fout. Blablabla. Bon. Faut se mettre ça. On va dire que c'est pas trop mal. De toute façon, je pense que Josette elle va nous péter le pion une deuxième fois. Ouais, je suis complètement d'accord. Oula, j'ai anticipé un petit peu trop. Allez, amène-toi. Ah. Je vais anticiper à ce niveau-là. C'est pas bientôt fini les dives.
penser. Du coup, je me demande si Raoul, qui purge des objets maudits, il peut nous aider avec ça. Vu qu'on a la perle de je sais plus quoi, de confesseur. De 84e mort, pardon. Poids de la véritable culpabilité. Est-ce que l'autre il peut? Enfin, c'est pas très loin le héros, donc on peut tester. On verra bien. Je peux passer par là. Hop là. Ou alors une statue de pénitent. Casse-toi pointeur. Sinon, on va devoir se faire Christina l'incommodante. On n'a plus que 16 vies pour atteindre notre objectif de non de ridiculisation partielle. L'œuf poilu, je sais pas à quoi il sert. Bring me anything that... Très bien. Aucune idée. Ou alors il faut péter les pénitents. Péter tous les pénitents. I don't know. De se faire le boss avant de s'enflammer et de chercher les trucs. Serais-je capable de le faire en moins de 40 minutes pour rester dans une vidéo décorrecte? Les paris sont ouverts. J'aurais pu mettre un point de sauvegarde juste avant le boss pour éviter de se retaper l'ascenseur à chaque fois. Donc pour les cons comme moi, oublie. En plus, l'ascenseur redescend automatiquement, donc même les cons comme moi, ils risquent pas de mourir là. Normalement. Allez, c'est reparti. Concentration. Penitent One, Harry, if you have been entrusted with I, Chris, and thus shall you. Qui a fait sa parade puis son attaque. Ça, c'était inattendu. Et fort peu agréable. Ouais, quand tu veux, hein, bon essai. Ok. Beaucoup trop anticipé la parade. 85.
Donc elle nous défonce. Est-ce qu'on peut changer de corde corde d'épée? Tu sais qu'on a la prière aussi de Speedo. Prière. Augmente la vitesse d'attaque. Détruire certains projectiles. Rush les ennemis proches, on s'en fout. Ok. C'est retypable. Il va falloir être un petit peu précis. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, je sais. Très bien. Faut le dire hein, si j'ai pas le droit de parer. Du coup là je me fais avoir à chaque fois. Je peux pas sauter au-dessus ou quoi? Ok, elle m'a défoncé. Elle m'a défoncé. C'est chiant, ces petits 30 secondes à chaque fois, c'est relou. C'est pas un... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, c'est enfin, c'est chiant quoi, parce que ça n'apporte strictement rien. Et voilà, c'est un peu chiant quoi. Oui, tout comme le fait qu'elle fasse son speech à chaque fois, c'est relou. Si t'aimes ça. Je sais pas comment je vais échapper à ça, mais bon. Et donc je suis condamné à barrer là, c'est quoi c'est...
Ah ok, très bien. Ben vas-y, hein, fais-toi plaisir, je veux dire. Genre... dire, si t'as le droit de me tuer en me popant dessus, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Non, je suis pas de mauvaise foi. On dira à l'heure. C'est complètement faux. Penitent, carrying the weapon Pop entrusted I, and tais-toi. thus. C'est reparti pour la phase relou. Heureusement, à nouveau que le slide est là. J'ai son pattern, ça devrait le faire, on peut le faire. J'annonce, hein, j'essaie pas de faire la bonne fin, le jeu me gave un peu. One herring hip eye and thus il va falloir arrêter d'être impatient.
J'ai une sacrée botte. Bolosse un peu sur ce genre de phase. Principalement parce que je fais de la merde. Ah, t'as varié ton pattern. Si on défend correctement, ça devrait le faire. Allez, plus de 10%. Faut que j'arrête de prendre de l'alcool. Je sais pas combien il lui reste, mais il lui reste vraiment rien de plus. Va tranquillement descendre, s'il te plaît. Durer le plaisir. Je suis mort au moins 50 fois contre les Mon Capra quand j'ai joué à Dark Souls la première fois, donc bon. La parade qui marche pas.
en mode vénère. Voilà, en relou. Tiens! Eh ben c'est pas trop tôt. Requiem Aeternam. Bon! Je peux le finir? Oui. Pourquoi je suis plusieurs? Je ne sais pas. Bon. Ça c'est fait. Déambulatoire de sa sainteté. Je prends une verbe. Petit escalier vers notre Dracula. In my dreams, I heard your footsteps coming closer. In my dreams, I tried to talk to you and introduce myself. Guardian of the miracle and of the miracle banner, with great pain, I carry the emblem of the Father. I am the hands of bloodied skin. I am the eyes from which our mother gazes. But nothing I know of you, apart from your cold, nameless visage, apart from your calloused and wounded hands, apart from the mourning of your deaths. No, I know nothing of you. Only the miracle knows. Now may your sword full of guilt with mine of gold collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in... I bless you forever in death. Death. Vas-y, il est invisible, c'est pas juste. Cette attaque ne ressemble pas du tout à celle de Death. Il devrait lancer des petites faucilles, c'est plus original. Si les gens pouvaient arrêter de se téléporter, ce serait super. Ok, donc les boules de feu, ça pique. Qui l'eût cru? Hein. 90.
Changement de dizaine. Oh, j'espère qu'il va pas me refaire tout son discours, c'est long. Semaine de protection contre les attaques magiques, ce serait une super idée. Toi, tu seras que dalle. Hop. La ferveur, on s'en fout. J'avais un autre truc contre les attaques magiques. Foudre, on s'en tape. Ni ni ni. Essence vitale. Attaque magique. Ça devrait nous aider un petit peu. Le temps que je dise que ça il se calme un peu. Et si l'on. Oh non, mais arrêtez. Skip. Skip. Bravo, le contre-temps parfait. Alors, les boules de feu. Ça, si t'avais mis un chapeau moins haut et moins con, t'en serais peut-être pour là. Quelque chose me dit qu'il va se la jouer Final Fantasy. Allez. Now you see me awoken as the son of the true miracle. Ah. Faut penser au mot de vénère. C'est bien, on a niqué la moitié de notre ville et de notre barre de vie. Très bien. Moi, je veux bien, mais il va falloir me laisser accéder aux messieurs. Le truc qui coupe la moitié de l'écran. Je dois vous avouer que le boss multiphase, c'est un des clichés qui me gave. Ok. Ça a arrêté d'être original et intéressant à partir du deuxième Final Fantasy. Hein.
profiter au moins du paysage derrière. Bon, on va essayer d'être patient, une qualité qui me fait gravement défaut. Évidemment, comme je suis mort dans la deuxième phase, je ne peux pas récupérer ma ferveur du premier. Jamais fait ça là. Pas sûr d'avoir fait un super choix dans ce coup-là. Bien sûr, vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais être patient, j'ai complètement menti. Allez. Putain, c'est chiant. Il va sans doute vénère. Moi j'aurais bien entamé.
coup de buff de vitesse et de la plateforme, ça lui fait du bien. Phase 1 torchée, c'est bien. Oui. À nouveau, un jeu qui manque un petit peu de polish sur certaines choses. On a rencontré quelques blocs bloquants. On a toujours ces discussions et ces dialogues qui se répètent à chaque fois. Ça manque de. Ça manque d'un peu de finalisation sur tout ça, quoi. Faites la merde en branche sur ce coup-là. J'ai cru qu'il y avait une opportunité, mais en fait, non. Voilà. Pas une troisième phase. Summa blasphemia. Have freed his holiness from his afflicted torment, and now he walks by the old processions on the other side of the dream, the cradle of the grievous miracle, the final relic, the grail of blood and gold that emanated from the forehead of the father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits.
Il vient de s'étouffer le game ou c'est moi? Would be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Le charisme pour cette dernière montée. Mais je coule dans une montagne. C'est pas courant. The mountain of ashes that swallowed up sins and sinners alike has had no mercy on you either. At the mercy of the miracle you were, and at the mercy of the miracle you remain. You are no longer anything but one more anonymous visage, without a voice, without countenance. Your penitence is over. Une fin super joyeuse, mais une fin quand même. Ça a été pénible. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Blasphemous? Déjà, les musiques étaient très bien, discrètes mais très bien. Les graphismes sont vraiment beaux. Par contre, en termes de gameplay, ça manquait vraiment d'un poil de finish. Voilà, plutôt frustrant, mais... Après, en termes d'histoire, oui, bon, c'était pas mal. La narration très fragmentée à la Dark Souls aussi. Ça me manquait de portail de téléportation par exemple, en termes de gameplay, pour accélérer un petit peu le endgame. Le manque total d'indication de certaines quêtes, etc. C'est un petit peu relou, mais bon, on s'y fait quand même. Globalement, c'est pas un mauvais jeu. Si vous aimez les jeux de plateforme, si vous aimez les jeux de ce type, vous pouvez y aller. Mais voilà, ça manque de ce petit en plus. Ça manque de ce petit étoile de ce petit peps qui fait que ça en fera un jeu inoubliable et incontournable. Du coup, je pense que c'était de la mauvaise fin. Et pour la bonne fin, on verra si on se la fait tôt ou tard. Faudra que je réfléchisse. À ce qu'il faut faire pour la bonne fin, et puis on essaiera de voir ce qu'on peut en tirer. Après, globalement, l'univers était quand même très bien, très chouette, assez inhabituel, assez sympathique. Donc, plutôt sympa sur ça. On salue les stagiaires qui défilent actuellement l'écran. La BO était bien cool. Assez discrète, mais bien cool. On remercie Team 17. Team 17, on pourra peut-être faire un petit jeu rétro 2 après. Vous allez voir, on va changer un peu d'univers et d'ambiance. Pas mal de monde qui a bossé sur le jeu, principalement une team espagnole, ce qui explique bien sûr l'influence, l'art global du jeu. Oula. Je suis en train de perdre des morceaux audio, j'espère que ça s'entendra pas trop.
Donc oui, finalement, satisfait, mais pas transcendé. Ça manquait... Il y a quelque chose qui manquait. Du monde. Plus de 10 000 backers, dont certains ont mis suffisamment pour avoir leur tronche dans les crédits. Merci à Andrew, Devin et aux autres. Un monsieur barbu avec les lunettes de Tracer. À Joël qui a chopé des choses sur la langue. Et mais ça va être long et censé le portrait de tout le monde. C'était le dernier. Oh non, on va pas tous les faire par ordre alphabétique, faut pas déconner non plus. Bon, bah c'était bien. Merci à tous les backers par ordre alphabétique. Bisous. Voilà. Non mais. Hop. Nouvel espace disponible au menu principal, sincère apostasie. Fort bien. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce Blasphemous. Et puis on se dit à dans quelques minutes pour du jeu rétro, je pense. Bisous.